Donc bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de notre minivan aménagé. Ça fait un moment qu'on vous parle de cette vidéo et là ça y est, on vous la tourne en fait. Donc voici notre minivan aménagé, notre véhicule de toutes les explorations. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Berlingo de 2006, 1 litre 9 diesel. Je l'ai acheté, il avait 143 000 km et aujourd'hui il en a 173 000 km. Donc dans les petites modifications que je lui ai apportées à l'extérieur, ici on a mis une galerie de toit utilitaire avec un coffre de toit sur le dessus. Le tout, je l'ai acheté plus ou moins pour une centaine d'euros pour vous situer. Donc de ce que j'ai changé aussi, j'ai changé les ampoules des phares ici pour mettre des choses qui éclairent vraiment mieux et beaucoup plus blanc, parce que les phares d'origine, c'est vraiment pas ça la visibilité. Maintenant qu'on a fini de vous présenter les modifications extérieures, on va vous présenter les modifications intérieures du minivan. Donc pour la petite anecdote, ce minivan, c'est un minivan utilitaire, donc il n'y avait pas de siège, etc. À l'arrière, c'est vraiment conçu normalement à la base pour les petits indépendants, les travailleurs qui ont besoin d'espace à l'arrière du véhicule. Et nous, on en a fait un lit. Donc dans le premier tiroir, c'est vraiment tout ce qui est la partie cuisine, alimentation, les casseroles. Ici, on a les cafés, les trucs qu'on a besoin au quotidien. Là, on a tous les épices, les sauces, les cubes, les becs, etc. Les sauces sont juste là. Là, on a divers petits accessoires de cuisine, des recharges de bonbonnes camping gaz, un deuxième brûleur au cas où le premier tombe en panne. Donc on aura des petits matériaux de cuisine. Donc ça, c'est vraiment le tiroir cuisine. Donc ici, on va passer au deuxième gros tiroir. Donc ici, c'est le tiroir un peu fourre-tout et le tiroir salle de bain, sanitaire entre guillemets. Donc là, c'est tout notre petit matériel qu'on a besoin au quotidien. Ça, c'est les couverts, mais on n'avait pas assez de place dans l'autre truc. Donc ici, on a rangé nos brosses à dents, les parfums, les shampoings, le dentifrice, enfin, tout ce qui est sanitaire. Ici, c'est un petit truc fourre-tout avec des ampoules de rechange, la crème solaire. Enfin, c'est vraiment tous les petits trucs qu'on ne savait pas où mettre. Là, on arrive dans une petite partie nourriture séchée. Quand on n'a pas le temps d'aller faire les courses, donc on a besoin de manger un petit truc sur la route. Ça, c'est en gros le tiroir fourre-tout, quoi. On va dire ça comme ça. Donc ici, on a la petite trousse de secours qui est indispensable lorsqu'on voyage. Elle est quand même assez complète. Ici, on a un petit rangement qui à la base est prévu pour mettre dans les tentes, mais qu'on a modifié pour pouvoir mettre ici contre la paroi. Donc c'est vraiment super pratique d'avoir 6 petites pochettes comme ça. Pour le soir ou même pour quand on est sur la route, ben, on sait vraiment ranger tout notre petit matériel dedans et c'est vraiment super super pratique. On a des petites lampes un peu partout. On a une belle guirlande de Noël qu'on sert le soir pour nous éclairer parce que la lumière est assez tamisée et c'est suffisant pour nous. Là, on a un filet ultra pratique pour pouvoir ranger tous nos petites affaires, nos vêtements au-dessus, nos couvertures quand on a besoin. On a même une petite tirette pour stocker les petites affaires. Moi personnellement, je mets mes lunettes à l'intérieur, enfin, je mets plein de trucs, des fois ma tablette. Ici, on a les occultants pour les fenêtres à l'avant. Occultants aussi isolants, c'est vraiment super bien pour l'intimité. Donc ici, au niveau des fenêtres, ce qu'on a fait, c'est on a mis du film vraiment opaque. Donc de l'intérieur du van, on voit vraiment bien ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'extérieur, on voit vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur. Et en plus de ça, ben, partout, on a des rideaux comme ça sur les fenêtres. Donc c'est vraiment impossible de nous voir de l'extérieur. J'ai fabriqué des petits rideaux isolants aussi avec un système de ventouse, ben, comme vous avez pu le voir ici, qui se détache assez facilement. J'ai simplement fixé du rideau sur l'isolant qui est ici. Donc l'isolant, c'est du papier bulle réfléchissant et mat à l'intérieur. Ça marche vraiment bien, ça fait le job. L'isolant fait une bonne isolation, il fait pas trop chaud en été, il fait pas trop froid en hiver. Donc ici, c'est notre petit frigo camping gaz. Il fonctionne sur le 12 volts. Ici, il est arrimé pour en mode voyage, mais normalement on le met à l'avant quand on dort, on vous montrera juste après. Donc on en est assez satisfait, il garde le truc vraiment au frais. Ici, j'ai tiré une prise depuis l'avant pour pouvoir connecter directement le 12 volts allume-cigare au petit frigo quand on roule. Ça marche vraiment du tonnerre. Mais vraiment, le mieux c'est de mettre des petits blocs, des pains de glace comme on appelle ça, directement à l'intérieur. Pour garder les choses bien au frais le plus longtemps possible et pour ne pas trop faire consommer le petit frigo. C'est ce genre de petites choses que vous pouvez trouver aux Action très facilement pour quelques centimes. Donc là les gars, là c'est un petit spoil que je vous fais. Ici vous voyez notre trousseau de clés et cette clé là ouvre quelque chose de très particulier que vous allez très bientôt voir sur la chaîne YouTube. Alors c'est ambiance guerre froide, ça c'est un petit indice. Le deuxième petit indice, c'est hamac.
Et le troisième petit indice, c'est sac d'évacuation. Là les gars, vous allez être servis pour cette vidéo là. Donc on va passer un petit peu à l'avant du véhicule, mais d'abord, ici derrière l'espace rangement des chaussures, on a deux bidons d'eau. Donc c'est des bidons alimentaires de 10 litres chacun qui nous servent pour prendre la douche, faire la vaisselle, se faire des petits cafés, faire bouillir de l'eau. Ça, c'est nos deux petits bidons alimentaires. Et maintenant, on va passer à l'avant du véhicule. Ici, on a tout ce qui est transformateur, convertisseur de 12 volts en 220 directement. Celui-là, c'est un 200 watts ou un 400 watts. Je pense que c'est 400 watts. C'est un Bestech pour ceux qui veulent la référence. Là, on a des batteries externes, on a des briques, enfin, c'est vraiment des petits rangements de tout et de rien. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a rien aménagé d'autre. On a un petit panneau solaire ici, vraiment ultra pratique pour recharger nos batteries quand on est à l'arrêt. C'est un panneau solaire fort classe du Decathlon et franchement il fait bien le boulot quoi. Donc là, en dessous de ce fauteuil là, on a tout ce qui est rallonge, électricité, on a des pinces pour au cas où on tombera en panne de batterie. Ici, ça c'est notre wok camping gaz qui fonctionne sur le gaz donc, et qui est vraiment ultra pratique. Vous pouvez faire des raclettes, des grillades, vous pouvez faire un peu tout là-dessus, c'est vraiment validé ce truc là, on vous le montrera dans une prochaine vidéo. Donc ici on a une petite tente sarcophage pour ranger nos affaires quand par exemple on est en camping ou quand on reste longtemps sur un spot. Donc on s'en sert quand même assez souvent de cette petite tente. Là c'est un rangement avec 2-3 petites bricoles, des ventilateurs qui fonctionnent sur USB pour quand il fait un peu trop chaud le soir. On a des pieds d'appareil photo, des trucs de GoPro, enfin, c'est un petit peu le fourre-tout mais il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur de ce truc là. Donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans notre coffre de toit. Donc dans notre coffre de toit c'est simple, c'est tous les trucs qui nous servent à l'extérieur. Donc ici on a la cabine de douche, un toilette qui nous sert vraiment presque jamais. Ici on a la douche solaire du Decathlon, vraiment elle est super bien, elle est vraiment validée celle-là. Dans le fond on a des couvertures de rechange, des plaids. Ici on a des hamacs, des tarpes, enfin on a plein de choses pour l'extérieur là. Donc ici à l'extérieur on les a sortis ici parce que en fait on va passer la nuit ici juste après. Donc là il y a nos deux petits sièges, notre petite table basse, tout notre petit setup pour se poser tranquillement. Et il y a un raton laveur jusqu'à ouais. Au large. Regardez les gars. Oh c'est la caméra. Un bébé. Attends, il y en a un autre derrière. Regardez les gars. Les deux petits ratons laveurs qui nous ont interrompus pendant notre vidéo, regardez comme ils sont tout beaux. C'est trop marrant hein, cette petite bête là, comme ça a pas du tout peur de l'homme. Ah ils font des bruits vraiment tout mimi. Ils sont vraiment tout petits hein. Regardez avec son frère là dans l'allée. Petit, il n'y a même pas encore vraiment de bout tellement il est petit. Voilà, après cette petite interruption par les ratons laveurs, on va passer à la mise en place de lui et au mode nuit du minivan. Donc ça se passe par ici. Donc, pour vous situer un petit peu, le lit il fait plus de 2 mètres de longueur et environ 1 m 36 de largeur. Donc pour passer en mode nuit c'est très simple, il suffit juste d'abaisser ici dessus, d'avancer, de redresser pardon le siège ici au maximum. Voilà, on abaisse la planche qui est là. Donc voilà, le setup de nuit est complètement installé. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une belle place qui prend tout l'intérieur du véhicule. Donc moi, je fais quand même déjà 1m80 et franchement, je suis assez bien installé dans le minivan. C'est vraiment confortable, on dort vraiment bien à l'intérieur. Pour vous situer un petit peu l'espace, je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai mes chaussures, mais là, je suis vraiment pas au bout du matelas et je suis déjà complètement bien mis et je dépasse de nulle part. Quoi. Et dormir à deux, c'est vraiment ultra pratique. Donc nous, le minivan, on l'a acheté, on l'a fait surtout parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on partait souvent en exploration et toujours de plus en plus loin. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment horreur de dormir en tente ou de dormir directement dans une voiture assis. C'est vraiment pas confortable et ça ne nous allait pas. Donc nous, ce qu'il nous fallait vraiment, c'était un véhicule opérationnel pour pouvoir aller plusieurs jours et faire plusieurs centaines de kilomètres à l'étranger. Et le voilà. Donc pour petit budget, il est vraiment facile de faire des choses qui sont vraiment pas mal dans l'ensemble.
Ici, le fourgon il nous a coûté 2500 euros. Vous comptez 1500 euros en plus pour tout l'aménagement, le matériel, tout compris. Et voilà, vous avez un petit budget à 4000 euros. Ben, vous avez un minivan qui vous emmène partout, qui vous met super bien au niveau des explorations et super bien au niveau de la van life. Vous pourrez dormir dans des endroits superbes comme ici. Ce soir, on est vraiment tout seul. Il y a un magnifique coucher de soleil. Un beau champ, une belle forêt, des petits raccoons qui viennent s'inviter au rendez-vous. Je suis sûr qu'on les reverra le soir, quand on sera posé en train de se boire un petit café et de manger notre bonne grosse pizza full viande parce qu'on avait la flemme de faire la cuisine. Et voilà, c'est aussi ça la van life. Donc plus tard, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir un plus grand véhicule aménagé. Peut-être même un vrai véhicule converti directement d'origine, mais pour l'instant, celui-ci nous suffit amplement. Et puis on va pas se mentir, tant que je lui aurais pas mis 100 000 km dans la gueule, ben ce sera hors de question de changer. On a déjà fait 30 000 heures d'un an, donc ça va quand même assez vite. Donc là, on a installé des déflecteurs et les isolants, on va appeler ça comme ça. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du fourgon, maintenant c'est impossible de voir quoi que ce soit. C'est vraiment super bien pour protéger de la chaleur, super bien pour protéger du froid et vraiment super bien pour les regards indiscrets. Donc ils sont ultra faciles à installer. C'est juste des ventouses en fait qu'il faut simplement coller. Ils sont déjà coupés parfaitement à la taille du Berlingo. C'est vendu d'origine comme ça sur Amazon. Et à l'intérieur, ben, c'est assez doux. Ça a la couleur directement de la cabine. Ça garde à fond la fraîcheur aussi. Ouais, ça garde vraiment la fraîcheur. Et on a déjà dormi quand il gelait avec le minivan. Et franchement, on n'avait pas trop froid, on n'avait pas trop chaud. On était vraiment juste bien quoi. Bon après je vous dis pas que s'il fait moins 20 degrés vous allez dormir ultra confortablement là. Bah l'autre fois il y avait moins 9. Ouais moins 9 ça allait mais à mon avis à partir de moins 20 ça commence à devenir compliqué. Regardez moi ça le magnifique coucher de soleil. On n'est pas si mal que ça en vrai. Et n'hésitez pas à nous le dire pour une prochaine vidéo si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo avec plus de détails. Par exemple comment on fait pour prendre notre douche, les toilettes, vraiment tout le matériel complet. Comment faire surtout le plus important pour trouver des beaux spots sans utiliser toutes vos applications genre par Fortnite et tout ça et être vraiment tranquille, regardez les spots qu'on a à chaque fois. On est ici sur un petit parking, on est seul, complètement seul. On est en pleine forêt, c'est magnifique. Donc pour un petit peu résumer tout le truc, il y a moyen de faire un van pour vraiment un budget minime. Bon, le mien il m'a coûté plus ou moins tout aménagé à l'intérieur, 4000 euros avec le prix du véhicule. Le prix du meuble qui s'élevait plus ou moins à 400 euros. Juste les planches de bois, les chevrons, les petites visseries, etc. C'était plus ou moins à 400 euros. Puis après tout le reste, ben, ça m'a fait plus ou moins un budget de 4000 euros. Donc c'est vraiment possible de partir avec un budget réduit et de commencer à découvrir la van life de cette manière-là. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent même à l'année dans un Citroën Berlingo avec un petit aménagement de lit, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Nous, c'est vraiment pour aller en exploration, passer des petits week-ends chill, pouvoir aller faire des explorations et des urbex toujours plus loin en dormant avec un minimum de confort. Donc on part quand même en vacances avec. Ouais, on part même maintenant en vacances avec. Là ici, dans 2 semaines, on va partir faire un road trip en Italie de plus ou moins 3000 km avec le minivan et on part en ayant l'esprit totalement tranquille. Le véhicule est ultra fiable, il coûte vraiment pas si cher que ça à l'entretien et puis bah, il consomme un peu, ça c'est normal, mais c'est un vieux véhicule, 2006 quand même. On va dire qu'on est sur une consommation entre 7 et 10 litres sur l'autoroute. L'autoroute c'est vraiment le truc qu'on prend jamais, ou alors quand on le prend, on roule à 110 maximum. Et sinon c'est vraiment vraiment possible de faire quelque chose de bien avec le budget que vous avez, même avec le véhicule que vous avez. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu d'imagination et directement toutes les portes vont s'ouvrir. Et voilà, on en est là. C'est autrement plus sympa de prendre les petites routes. On découvre beaucoup plus de paysages, on passe devant des spots aussi. Donc à la limite, l'autoroute, c'est plus contraignant qu'autre chose. Ouais, et puis en France aussi, vous avez la chance de devoir payer vos autoroutes. Nous pas. Elles sont complètement défoncées, mais au moins, on les paye pas. On paye déjà bien assez le prix du carburant. Donc nous, les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'exploration. D'ailleurs, ça sera pas dans 2 semaines, mais sûrement dans 3 à 4 semaines, la prochaine vidéo d'exploration, comme on part faire un road trip en Italie. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. À bientôt tout le monde. Bye bye.